Et je pense que c'est dans la providence de Dieu, il y a une signification mystérieuse que soit ce soit passé la fête de la Sainte Croix, la croix glorieuse de notre Seigneur. Alors il est votre berger. Et c'est lui que vous devez suivre pour être toujours uni à Jésus. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utusamee makosa yetu kama tunavyowasamee waliotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Na kwa mke wa Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na amebarikiwa mtoto wa tumbo. Maria Mtakatifu, mama wangu, utuombee sisi ni wakosefu. Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na amebarikiwa mtoto wa tumbo na wakati wa kufa kwake. Na kwa mke wa Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, utuombee sisi ni wakosefu, sasa na wakati wa kufa. S'ensuit la visite à la porte de la miséricorde. Alors le corps était là, l'endroit était construit par les missionnaires d'Afrique. On va retrouver tous les jours. On va tous les jours. Même les La même, clin d'œil à la propédeutique des Chibimbi. Excellence, Monseigneur le Nonce Apostolique, Excellence, Monseigneur l'Archevêque de Bukavu, Monseigneur le Vicaire Général, Révérend Zadé, Révérende Sœur, c'est juste un mot pour souhaiter la bienvenue dans cette maison de formation, la propédeutique Saint Mathias de Chibimbi, au nonce apostolique et à tous ceux qui l'accompagnent. Monseigneur Balestrero parle au séminariste avant de se rendre à la paroisse Saint-Pierre-Apôtre. Une foule immense se présente à cette occasion, au point pour l'Église d'être remplie de la nef. Après cette liesse, mais là la bénédiction.
kwecha warucesa nobatizo bobuzinde kuyagira. Je suis très heureux d'être ici avec vous. Je suis très heureux de vous voir. Christ, Ozine, Obutavena, Obutavatifu, Nyamavikira Maria, Yusufu, Bobula, Bobuka, Liburanzi, Bugwede, Anumibu. Kamakira, Umisho, Ugarfagineka, Ujewati Shinga, Natu Shangira, Nabinomifu. Le cortège retourne en plein centre-ville. Au gouvernorat, la délégation est reçue par Teungwa Bidje. Au sortir de l'audience, Monseigneur Balestrero, tout détendu, se prononce. Bon, une meilleure connaissance de la réalité, de la, aussi de la nécessité, de la volonté de collaborer entre l'Église et les autorités civiles pour le bien de la population. Vous avez dû avoir eu des échanges fructueux. Oui, très constructifs et très intéressant, je suis gré, le gouverneur, même qu'il est venu à ma famille hier, et je lui ai un peu partagé l'impression que j'ai eu après cette journée de visite. Et aussi, il m'a aidé avec l'aide de Monseigneur Maroy, qui connaît très bien, comprend mieux la situation. Je lui ai dit que le Kivu est dans le cœur du pape, parce que c'est vraiment comme ça, pas seulement le Kivu, mais je dirais particulièrement le Kivu. Pour l'histoire de souffrance et de douleur qu'il y a dans le monde. Mais. Et alors, ça a été très important de dire là, que le Kivu est près du pape. Et voir toutes les activités que l'Église conduit ici, la nécessité de les soutenir parce qu'il y a encore de. Donc vous dites que ça peut être la mort sur une franche collaboration entre l'Église et les autorités provinciales. Est-ce que cette Église est prête à soutenir les actions qu'a tant réalisées l'exécutif provincial? L'Église, chacun dans son domaine, à chacun pour la population. Et alors je pense que la collaboration est nécessaire parce que, en effet, dans les domaines de l'éducation, dans les domaines de la santé, en ce que se réfère à la confiance de la population, l'Église a un grand rôle et il y a bien sûr la volonté d'aider la population à poser ensemble. Bien sûr, en appuyant les initiatives aussi qui viennent de l'autre côté, si sont pour le bien de la population. De la question comme le sens de la population. L'un des messages est un message d'espérance que. Il y a beaucoup de problèmes, mais il y a des personnes très capables. Alors on doit continuer à maintenir, tenir bon et avoir confiance en soi-même et avoir confiance que la souffrance fait forte les personnes
Et avec le temps, la situation peut changer, doit changer. Et que l'Église est ici pour aider à donner la salle de beaucoup de personnes, même des évêques, pour le changement de ces situation. Merci. Merci. Du bureau de l'exécutif provincial à la maison des Pères Xavériens à Momba, il n'y a que quelques kilomètres. Après chez les Pères Xavériens, Mgr Lenonce a fait une pause au centre interdiocésain provincial de Bukavu où il logeait pendant son bref séjour. Journée surchargée qui exige à raison une belle détente dans la présence du Seigneur. Nous voici à la cathédrale pour la messe solennelle en début de la soirée.
Excellence Monseigneur Théodore Balestrero, nous apostolique quand